Ce 15 octobre 2020, Hervé Guémard et Rosen Ars donnaient le top départ du premier budget citoyen de la Savoie, une initiative qui alloue 1 million d'euros à des projets imaginés et choisis par les Savoyards, des projets qui servent l'intérêt général, favorisent le lien social et l'éco-responsabilité. Aménager un parcours de santé multigénérationnel, mettre en place un ramassage scolaire collectif à vélo, le budget citoyen de la Savoie lancé par le département est fait pour vous. Il y a parfois des petits projets, c'est ce que j'appelle des révolutions minuscules, qui peuvent changer la vie des gens, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui finançables par les communes ou par le département, parce que ce n'est pas prévu, les montants ne correspondent pas aux interventions habituelles. Donc nous voulons faire vraiment du coût humain. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire du coût humain pour répondre aux attentes des Savoyards. Pour participer et prendre connaissance des règles du jeu de cette opération inédite, rendez-vous sur la plateforme vosprojetspourlasavoie.fr. Toutes les idées proposées seront analysées par les services du département, puis mises au vote des Savoyards. Donc dépôt des idées entre maintenant et décembre. Ensuite, un temps un peu masqué d'analyse des idées. À partir d'avril, publicité et promotion de ce qui deviendra des projets. Et en mai, vote des Savoyards à partir du 10 ans sur ces projets. Des projets qui devront être réalisables dans les 2 ans, avec un plafond de financement fixé à 50 000 euros et un classement qui se déclinera par canton avec une catégorie spécifique pour les jeunes. C'est une réponse que nous faisons à la critique de dire que nos politiques publiques sont souvent très longues. Là, justement, nous allons vers des projets, des micro-projets sur lesquels il y a une réalisation rapide. Il faut qu'il y ait une relation de cause à effet entre le moment où on verse et le moment de la réalisation. Ça doit être pour réaliser tout de suite. 2 ans, c'est parce que les Hautes-Vallées sont sujettes, bien sûr, aux enjeux climatiques et que quelquefois, on ne peut pas réaliser tout de suite, notamment dans les Hautes-Vallées. Alors ne perdez pas une minute, cliquez, proposez et votez pour dessiner la Savoie de demain.